Start to play. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie sur le serveur de GoFox. Donc on a les joueurs blancs, l'adversaire joue en bas à droite un Komoku, ok. Il est 4ème Dan et nous également, ok. On va jouer Oshi Komoku. En face, il y a des chances qu'il ferme un de ses deux Shimari. Mais il peut également approcher pour m'empêcher de faire moi-même le mien, soit en O3 ou également prendre le coin en C3. Il décide d'approcher haut. Ok, c'est une approche assez peu classique. En général, on approche en troisième ligne en C6. Là, la quatrième ligne, ça se joue pas très souvent, mais c'est pour développer un moyo, j'imagine. Très souvent, quand on a cette position en Komoku là, de ce côté, et que l'adversaire approche en C6, on vient plutôt approcher en E17. Parce que si on répond tout simplement en F3, à l'approche C6, il peut faire D10 et développer très rapidement, ou alors même prendre le coin, menacer, développer un peu de tous les côtés. Donc ici, je me demande si c'est pas la même logique, parce que même s'il nous contrepince, finalement ça revient un peu au même que C6, on va là et il nous contrepince. Donc je pense qu'on va approcher de ce côté, éviter qu'il développe trop rapidement son bord, parce que là s'il rajoute un coup en E16, il peut se développer naturellement vers cette pierre-ci ou vers cette pierre-là. Et le but de blanc dans une partie en général, c'est de séparer les formations de noir. Alors que noir, plus il est connecté, plus il a de chances de gagner normalement, parce qu'il commence. Ok, il joue comme ça. Déjà là, je suis un peu étonné, parce qu'il joue en troisième ligne, s'écrase un peu. Alors que là, il est en quatrième. On sait pas trop ce qu'il veut sur ce bord. Ça serait presque tentant de rajouter d'abord un coup pour écraser ici. Si je joue en D15... et qu'il connecte, il s'écrase un peu et on peut étendre ensuite. Après, ça peut être dangereux, parce que si je vais en D15 et qu'il joue en B13 et que je fais mon extension, après le B13, il pourrait développer rapidement avec un coup en E13. Si vous voyez, il y a le SGF en commentaire si vous voulez voir ça, ce que ça rend. Et le coup en D15, c'est s'il ignore, en fait, on peut continuer, et une fois qu'il protège, on peut couper d'un côté ou de l'autre. On a soit le chicho d'un côté, soit la prise du coin de l'autre. Je pense qu'on va garder ça sous le coude. On va d'abord venir ici. Parce que j'ai trop peur de la séquence D15. Il va en B13, j'étends. Et ensuite il monte et il développe quand même un bord, ça me force presque à venir directement dedans parce qu'il menace quand même direct de prendre tout le bord. Donc attention. Ok, ici, qu'est-ce qui se passe? On veut plutôt... quelle pierre on veut attaquer? Parce qu'en général, si je joue en E6 par exemple, c'est que je veux attaquer F3. Si je joue en F4, c'est que je veux attaquer D6. En général, on dit qu'on joue du côté qu'on n'a pas peur de renforcer. Parce que le contact, le coup Otsuke ici ou Otsuke là, le Otsuke c'est le contact touché, ça renforcera les deux joueurs en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien attaquer cette pierre, mais en jouant là et en renforçant de ce côté, puisque là ça donnera E6, il va en E7, je vais en F6 où je peux reculer, mais ensuite quand il protège sa coupe, il est déjà très solide ici. Donc c'est assez risqué. Et si je vais de ce côté, tac, tac, je vais ici, il peut venir là, je vais là, il prend le coin, si on fait un enceinte je sais qui, et ça pourrait me convenir en fait. Ce qui perdrait le potentiel sur ce bord là. Je pense que les deux se jouent, E6, tac, on va ici, il continue, on s'attache. On va plutôt jouer de ce côté. J'ai pas trop envie qu'il se développe à gauche. Trop facilement. Donc on va faire ça. S'il avance en E3, on fait la connexion en bambou, très solide. Ici, s'il joue en E4, je vais en E5 et inversement. Donc les pierres sont virtuellement connectées. Il continue en D3, d'accord. Donc il pouvait aussi jouer en C2 par exemple. Je sais que quand il joue C2, je joue un coup du genre C6. Parce que là, s'il a le C6 par exemple, mes 4 pierres, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Rien de très bon, je pense. Je me demande si je ne dois pas jouer en G5 d'abord.
Mais en soi, s'il ignore. Ouais. Il a peut-être le temps de partir vers là, d'ignorer, même si je peux faire Atari. Il est installé de côté, donc non, je pense qu'il faut que je m'installe. Par contre, il a déjà deux coins, potentiellement trois. Ça, il faut que je fasse attention. Ok, il veut tout prendre. Est-ce que ça marche, ça? Si je vais en D7, il recule et je fais cet Atari. Il descend, on descend, il fait Atari. Tac, il a trois libertés. Puis il peut couper ici. Je monte. Et il vient là. On s'en va. Il faut regarder s'il a le chiche ou pas. Et il a le chichot. Ok. Donc là, ça c'est embêtant. C'est embêtant pour blanc. Est-ce que je peux faire D7? Il monte. Atari, tac, et au lieu de descendre, je connecte. Non, parce qu'il capture la pierre. Ok. Donc je me fais bien écraser ici, ce qui veut dire que le choix du Joseki était pas incroyable. Parce que je n'ai pas le chichot, je n'avais pas lu jusque-là. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va protéger notre coupe, déjà. S'il fait l'Atari qu'on protège, il a une coupe ici, une coupe là. S'il connecte directement, on peut glisser au-dessous. Ok, il fait l'Atari. Mais c'est pas très bon pour moi cette séquence. Parce que mon groupe n'a pas de base de vie et il s'installe des deux côtés comme on le craignait. Sauf que là, il faut que je prenne de la base de vie, je pense. Peut-être que je dois pousser une fois ici. Mais il a l'air de se faire beaucoup de points de ce côté. Il se fait des points de l'autre. On peut pas vraiment récupérer le coin tout de suite. Hein. Si on vient en C3 qui va en C2, on peut pas aller en B2. Sinon il fait Atari, je pense. Et si on prend la pierre en B7, il fait contre-Atari, on capture, il protège sa coupe. Et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué tout ça. Je pense à contre-pincer, pourquoi pas. Si je pince derrière, j'attaque ses pierres et je dis il y a un combat tous les deux en même temps. Je peux aller en C12 pour viser la faiblesse en B15, mais il peut faire C10 d'abord et prendre une petite extension. Donc j'ai bien envie de venir là d'abord et de l'attaquer. On va d'abord étendre une fois ici, gagner un peu de force sur le centre. Hop. Et pincer. Allez, on va essayer d'être un peu agressif envers ces quatre pierres. Parce que là, il a pris clairement la main sur la partie. Il a un coin assez intéressant. Ici, il est bien posé. Nous, on a un groupe qui est instable. Ici, c'est pas des points, parce qu'on est en quatrième ligne, donc c'est que du potentiel. Là, ça n'a pas encore été joué, là non plus. Mais on peut dire que c'est équitable, parce qu'il y en a un chacun. On voit aussi que s'il approche en E3, il menace de prendre un bord très intéressant en haut également. Donc on n'est pas très bien parti dans cette partie. Si je vais en D9, il peut couper. Donc ici, on va plutôt venir ici. S'il coupe, je pense que c'est une mauvaise idée, puisqu'on avance ici, ce qui menace de capturer la pierre, ou de déchirer par là. Je pensais qu'il jouerait un coup comme C9 par exemple, pour essayer de construire rapidement des formes sympas. On va venir par là. Il ne peut plus couper, sinon on va en C12, il descend en B11, on va en B12 et on prend les pierres. Donc là il protège ses formes, d'accord. On va. Si on monte maintenant,
Grâce à sa forme, même si on appuie ici, il peut aller là. Quoique. En fait, là, j'ai peur en jouant E11 qu'il vienne en B12 pour menacer de couper. Mais si je viens en E11 et qu'il joue là, je peux aller en F10. Et s'il résiste en F9, je peux aller en D8. Je peux pas faire atari de ce côté, hein, c'est auto-atari. Donc, s'il fait atari de ce côté, on va là. Il en atari, on coupe. On a combien de libertés ici? 1, 2, 3, 4. Donc ça va. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à suivre les séquences sur le SGF. Tac, tac. En tout cas, j'ai l'impression que je peux continuer une fois. S'il coupe ou qu'il essaye là directement, c'est une erreur. Je pense que là, il faut continuer, sauter par exemple. Mais peut-être le nobi, c'est mieux. Plus solide. Et quand on va là, du coup, ici, protège sa coupe, en fait, on peut couper directement également. Et comme on est monté pas mal ici, même s'il nous pousse une fois, tac, une deuxième fois, tac, qui va là, on protège. Même s'il coupe, on peut s'en aller. Donc là, il peut pas s'autoriser B12, j'ai l'impression. Si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il aurait d'autre comme solution après le F10? Après le F10. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Après le F10, il aurait eu comme solution de connecter direct. Et on connectait comme ça et il courait, quoi. Bref, de toute manière, ça se passe pas comme ça. Est-ce que j'ai le droit de couper maintenant? Ça semble compliqué. Ah, peut-être protéger notre coupe. Si on protège en C12, il y a des chances qu'il joue un coup comme F12, voire G10. G10, ça semble fort. Ça enlève un peu toutes les faiblesses qu'il y a ici. C'est pour ça que là, j'aimerais bien regarder si j'ai le timing de jouer F10 encore une fois. Parce que si je vais en F10, qui fait cet atari, je sors. Il continue. Je vais là. Il y a encore ça et ça. C'est quand même très tentant. S'il coupe, je capture toujours la pierre. Donc là, je suis assez content de pouvoir amener un combat assez compliqué pour les deux joueurs. Comme vous me voyez en retard. Faut que je fasse attention à ces pierres-là, par contre. Ok. Là, on a le chichot. Il décide de jouer ça, d'accord. Alors ça c'est intéressant, parce que là maintenant je peux venir en D8, ok il peut couper, mais pas tout de suite. Donc D8, il connecte ici, je coupe. S'il fait atari, je vais là, il coupe, je fais atari de ce côté, tac, je reviens. Même s'il joue ça, atari, tac, je descends, atari, tac. Et voilà, là ça marche pas très bien ça, pro. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Il s'en va. Et on joue ici en fait après plutôt. Plutôt que là. Et là ça a l'air d'aller. Ok. On va jouer ça. Peut-être que vous préférez également d'avoir ces coordonnées-là sur les 10 derniers coups pour s'y retrouver un petit peu. On coupe. Et on voit que même ces pierres-là, finalement, manquent de liberté. Quoi. Il fait cet atari ici, tac, tac. On a un chichot. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et il tombe sur cette pierre. Donc là, je ne cache pas, hein, c'est compliqué pour les deux joueurs. Ces deux pierres-là, on pense les sacrifier. Hein. Si noir coupe en C11, on ne pousse pas vers le bas. On pousse en B11 et il s'en va en C12. Ok. Il joue ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les pierres, non? Je recule en E6. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est pas plus intelligent de venir en C12? Ça connecte toutes nos pierres ici.
Ça remet la faiblesse en B15, parce que après un coup en C12, blanc, s'il vient en B15, il peut soit connecter par là, soit faire ce coup en C15 dont on parlait tout à l'heure, qui amène encore quelques problèmes. Et ici, on risque rien, parce que tac, il continue, je continue, il continue, je vais là. Et s'il coupe, Atari, tac, connexion. On a une, deux, trois libertés. Et en soi, ici, on peut prendre. Oui. Jouer ici. Oui, ça a l'air d'aller. Ok, on vient là. On vient ici. C'est assez gros. Et il prend ça. D'accord. Très bien. On a le Sente. On va sûrement approcher. Parce que là, maintenant, si on regarde, on dit que c'est coin borsante souvent. Il y a deux coins qui n'ont pas été joués. Donc ça pourrait être un gros coup de jouer vers O4, par exemple. Ou N3. Et également un gros coup de venir vers P15 ou Q15, quelque chose du genre. Mais ce que je regarde aussi, c'est que ce bord-là n'est pas du tout exploité encore. Il est plus intéressant que le bord nord, donc ça me donne envie vraiment de choisir cette option. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on approche en troisième ligne ou en quatrième? Avec sa prise en chichot ici, d'ailleurs blanc, il y a un guet-apens le moment, d'accord? Il est assez fort sur l'extérieur en fait, là il va avoir une formation assez solide, donc ça me donne envie d'approcher en troisième ligne. Et même s'il fait son kusumi en O16, le kusumi de Chusaku, il pourra pas développer trop de points sur le bord sud parce qu'on a déjà installé. Donc ça m'intéresse bien de faire ça. Il joue en troisième ligne aussi parce qu'il me manque des points un petit peu. Là on a, par exemple, si on essaie de compter un petit peu, blanc aurait 100 points. De sûr. C'est à peu près tout. Noir, en à peu près sûr, il a ça. Ça, ça. Et forcément un peu ici. Et ensuite, au niveau du potentiel, blanc, il a potentiellement ça. Potentiellement quelque chose par ici. Et on ne sait pas trop ce qui se passe vers cette pierre. Noir, du potentiel par là. Et forcément dans cette direction. Et probablement par ici. J'ai l'impression que Noir est un petit peu en avance sur cette partie. Après, on a le commis. On va voir comment ça se passe. Mais je trouve qu'on est bien revenu dans la partie. Alors, Noir pousse de ce côté, très bien. Est-ce que j'ai mal lu? Si je bloque ici, qui coupe, je fais Atari, il sort, je connecte, il pousse là. D'accord. Donc là, il faut que je continue une fois. Il va là, je vais ici. Quand il coupe, tac, il coupe, j'ai trois libertés. En attendant, j'ai joué ici. Non, j'ai joué ici. Même s'il va là, je vais ici. Il va ici, je capture. Est-ce que j'ai fait une bêtise ici? Blanc, noir, blanc. Noir coupe. Je peux faire Atari, il sort. On connecte ici. On a 5 libertés, mais nos pierres isolées, du coup. À couper ici. C'est pas évident. Donc là, de ce côté, ça irait. Mais blanc qui a bloqué de ce côté. Alors, quand il a coupé, tac, tac, tac. On est là. Il coupe ici. On continue. Et du coup, il coupe là. Tac, tac. Et il vient ici. Non, il doit protéger d'abord. Dans ce cas, on a 3 libertés et lui 4. Et on jouerait par ici.
il va là. On descend, il va ici. On a un œil. On bouche. Et s'il vient à l'intérieur, tac, on a un œil, compte pas d'œil. Ok. Ah, j'ai l'impression que ça passe. On va voir si je me trompe. Probablement que j'aurais dû rajouter un coup en i5, mais ça lui donnait pas mal de points sur la quand même quatrième ligne, donc c'était assez dangereux, je trouve. Allez, aussi bien la partie se joue maintenant. Il y a pas mal de choses à lire, donc peut-être que je me suis trompé. Tac, tac. Ah oui, il a un chichot, ouais. Non, non, là, j'ai lu que j'avais une pierre ici. Il va ici. Je peux aller en H9, non? Tac, tac. D'accord. Il fait le contre-attaque, non? Et du coup, maintenant, je vais ici. C'est peut-être un peu risqué. Il fait Atari, je vais là. Il peut pas faire l'autre Atari. Parce qu'il se mettrait en auto-Atari à cause de ces deux pierres, d'accord. Mais là, si je protège maintenant ici, il coupe. Mais c'est fini pour moi. Donc on va faire ça. Ce qui menace de sortir en G11. Mais lui, par contre, il prend toutes ses pierres. Ouais. Après, peut-être pas. Quand il fait l'atari ici, on peut sortir encore là. C'est compliqué, hein. On aurait dû rajouter un coup, clairement. Là, c'était une erreur de notre part. Oui, il peut tout simplement mettre atari ici. Et on perd sûrement tout ça. Nous, on peut sortir. Mais ça, ça ne vaut pas tout ça. Là, on donne beaucoup de points. D'un seul coup, Noir se retrouverait avec tout ça. Rien que visuellement, c'est énorme. Plus ça. Et Blanc n'a pas encore pris, hein, mais il se retrouvera avec ça. Il est largement perdu dans ce qui s'est passé. Largement. Dommage, on avait fait une belle séquence, et en fait, non, on n'avait pas cette santé qu'on pensait avoir. Ça aurait pu bien se passer si on avait rajouté i5. Il rajoutait un coup, certes c'était gros, mais au moins on n'avait pas tous ces soucis. Zut. Je sais pas trop à quoi il réfléchit maintenant. Il est juste à couper. Ou alors il réfléchit, je capture. Si moi je connecte ici, je peux faire H8, tac, Atari, tac. Et le chichot, tac, tac, même Guetta en fait. Ah ouais, ok. Bon, la partie est perdue, je pense, du coup. La partie est perdue. Oui, c'est ça en fait, hein, il joue en G11 en fait. Noir G11. Si Blanc s'amuse à venir en I5 pour dire « Ah, finalement tu es capturé, tu as reculé », Noir peut venir en H8, si Blanc ne répond pas, Noir il connecte en G8, il prend ces pierres là, et sauve ces pierres là par la même occasion. Donc Blanc capture, Noir remet en Atari, cette fois-ci comme il a capturé en G11, il se met pas en auto-Atari ses pierres. Blanc connecte, et il n'a plus que deux libertés ici et ici. Noir pouvait pousser une fois, Blanc est là, et Noir faisait un guetta, une prise enfilée en J10. Ça semblait bien, non? Si je vais en G11 maintenant. On n'a pas trop le choix, hein, mais on a perdu tout ça. Gauté, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. En tout cas, on prend ces pierres là. Donc on est vivant ici et là. Mais si on rajoute B3 par exemple. Je pense qu'il va rajouter un coup par ici pour être sûr. S'il ne rajoute pas de coup, ça pourrait tout à fait amener sur la même erreur que moi.
Y'a Chicho? Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Je me trompe? Encore une fois? Blanc, blanc, blanc. Non? On met une... Il y aura une pierre noire ici qui sera mise en Atari après le blanc J15. Qu'est-ce qu'il fait? What? Je lis si mal que ça? Non, non. Là, c'est lui qui a halluciné. Ok, j'ai eu un peu peur. Bon, il est toujours devant tout de même, hein. Mais il me donne de la force sur le centre, donc on n'est pas mécontent. Là, si on avait. S'il pense à rajouter un coup en B3 en mode. Il faut faire attention, ce groupe-là, on sait jamais ce que ça peut donner si blanc rajoute un coup en B3, parce que je peux avoir un œil également goté en B7, hein. Donc attention. J'aimerais bien ce genre de coup, du coup, au 16. Finalement, j'aurais bien aimé l'avoir en quatrième ligne, ça, mais je pouvais pas deviner que ça allait se passer comme ça. Ouais, là, on gagne quand même de la force dans la zone. Ici, on voit bien de la force blanche, quand même. Noir, il est très faible. Mais qu'est-ce qui se passe? Il continue. Va faire Atari de ce côté. Ok. Et venir là. Ok. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. Du coup, on a 3 libertés avec ce groupe et lui 2 avec celui-ci. Donc, on risque rien. Même s'il fait ça à H8, qu'on capture, il peut plus mettre en Atari parce qu'il est lui-même en Atari. Donc, le suicide est interdit. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien regarder, c'est sauver ses pierres. C'est énorme. Si je sauve ses pierres, ok, je vais sûrement être goté, mais ça vaut beaucoup. Si je joue en B3, qui va en B2 par exemple, je monte, il monte, je capture cette pierre, je suis vivant. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme solution? Descendre en C3, je vais en B2. Ça a l'air vivant. En fait, oui, hein, ça a l'air d'être pas mal comme coup. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Bon, on pourra pas capturer ces pierres-là, hein, parce que il capture I6, mais en vrai, on s'en sort bien. Ces deux pierres-là, je m'en fais pas trop. Parce que s'ils couvrent pas en haut, on peut glisser en H18, il y a pas mal d'Adji. Il y a même des Adji avec les doubles Atari par là et tout. L'Adji, c'est l'arrière-goût. Elles sont bien abîmées, mais elles ont encore beaucoup de potentiel. Et s'ils couvrent par ici, on peut sauter. Et il aura du mal à couper. Ok, alors. J'ai l'impression que j'ai un œil en B4. Hein. Peu importe ce qu'il fasse. Est-ce qu'il vaut mieux aller en B2 ou est-ce qu'il vaut mieux capturer cette pierre? Je pense que c'est mieux de capturer cette pierre. Parce qu'on a un œil directement en A5 et B6, là c'est sûr. En plus, par rapport à nos libertés, on ne perd pas ces 4 pierres avec une suite d'Atari assez hasardeuse. Et là pour lui maintenant c'est trop petit de venir en B2 parce que B2, si je ne réponds pas, il n'y a pas de suite pour me tuer. Ok, il bloque de ce côté, donc on va aller par là comme on disait. Soit le D15 dont on parlait. S'il bloque en D14, on va en C15. Il bloque. Coupe du côté qu'on ne veut pas. Si je vais en B14 qui protège que je continue. Faut continuer à monter. Non, ça c'est pas très intéressant. Tac, tac, tac. Donc on ne veut pas le coin parce que c'est là où il est solide. On va en B16. Il capture en B17. Contre Atari en B14. Il capture la pierre en A15. Et on peut faire Atari de ce côté. Tac, il va là, je vais là. Tac, et un mini chichou. Ça a l'air intéressant. Et s'il protège tout simplement, on peut sauter. Peut-être même faire cette attaque.
Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne les zones de points? Donc blanc, il a un tout petit peu ici. Noir a une belle zone par là. Blanc a ça. En termes de territoire pur. Hein. Du coup, on n'a pas au-dessous parce qu'il est passé... Il est au-dessous de nous ici, donc il pourra glisser par exemple en A10 pour détruire les quelques points qui sont potentiellement présents ici. Noir commence à avoir un beau potentiel ici. Mais blanc a un potentiel là, il a deux pierres installées quand noir n'en a aucune. Donc c'est une partie assez compliquée. Ça arrête pas de bouger. On n'a plus que deux libertés ici. On va faire ce double atari. Ok, ça c'est intéressant. Il a pas de chichot, parce que déjà ça fait atari sur cette pierre. Et en plus, ici on peut capturer, s'il protège, on avance, il avance. Il y a toujours les problèmes de coupe ici également. Là, ce qui me donne envie, c'est d'écraser là. Tac, il va, je vais, il coupe, je le pousse de ce côté et moi je développe de ce côté pour essayer de développer le bord. Je sais pas. Tac, il va là. Tac, il coupe. Est-ce que j'ai le droit de descendre et essayer de vivre de ce côté? Ça semble compliqué, c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Ou alors on développe le bord. Donc jouer sur le bord intéressant, ça peut être cool aussi. C'est pas complètement idiot, je pense, d'essayer de développer de ce côté. Ok. Je suis en atari. Je vais mettre juste le dernier coup. Donc là, soit je vais en 4-13, soit je capture. Je pense que je vais capturer. S'il me met en atari ici, je capture ces deux pierres. Voilà, les problèmes sont finis ici. Ces pierres-là sont connectées également. Et il lui reste plein de coupes. Il envahit. Très bien. Il envahit. On va aller dans le coin. Souvent la vie se trouve dans le coin. On pousse ici. Et il fait ça, d'accord. On va connecter en dur. On continue là. Et on peut couvrir cette pierre. On fait un boshi, le chapeau. P10, O13, Q15. Le O13, c'est le boshi, c'est le chapeau. Ok. On recouvre. Il y a cette coupe qui va être intéressante. Et est-ce que le double année, donc année c'est P10 sur P11, et le double du coup c'est de faire Q9 sur Q10 maintenant. Atari, tac. S'il essaie de prendre notre pierre, tac, atari, on va là, il atari sur ses pierres, on continue, il protège, atari, tac, tac, ouais, ça a l'air d'être bon pour nous. Donc on le fait souffrir, on l'écrase. L'autre solution, c'est il fait P9, tac, et atari de ce côté ensuite. On continue, il protège sa coupe comme ça, on ferme, il va vivre, et nous, on prend une extension de ce côté. Ce qui menace en plus, non, ça menace pas de sortir. Est-ce qu'il y a un guetta? Tac, tac, tac. Ah, je sais pas. C'est compliqué. On a également la solution d'aller en Q11. Il capture ou protège comme ça. On recule ici. Il en atterrit, donc il protège. On va là, et on capture ces pierres-là. Mais on lui donne un ponoki, une forme de capture de pierre, vers ce côté-là, qui nous intéresse pourtant. Donc on va plutôt aller là. S'il continue, on peut faire peut-être atterri. Atari, il va là. On continue, il bloque. On fait Atari, tac. On va déjà faire cet Atari. Il répond. Ce qu'il y a, c'est si on continue, il va d'abord faire cet Atari. On remonte, puis un autre Atari, on monte, et ensuite il protège, et on se fait avoir. Donc on va continuer là.
Il a beaucoup de points sur le sud, par contre. Ça serait bien si on chope le timing de N3. Ok, il bloque là. On peut faire ça, non? R6. S'il coupe, Atari, tac, et Chicho. Donc on peut bloquer. Il vient recapturer. Je pense parce que si on va en R11 maintenant, qui bloque, on fait Atari, tac, tac. Est-ce que c'est pas dangereux un peu? Puis on va là. Blanc, noir, blanc, noir. Blanc, noir se saisit. On continue et capture et on va là. Il est mort, non? Ah là 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 là. Ouais. Sauf que d'abord, on doit protéger de ça. Il est embêtant. O5 ou P4? P4, il monte. S'il coupe, tac, tac, tac. Il n'y a plus rien. Et ça, il peut continuer là. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est mieux ça. Ça défend un peu le coin, tout en protégeant la coupe. Il monte. Et s'il monte, qu'on joue ailleurs, on fait Tenouki. Q6, il va en P6. Tac, tac. Ah non, ça marche pas. Ah, je fais l'idiot. Bon, il revient et il est vivant et il a construit le nord. On a été un peu trop sympa là encore. On peut essayer d'aller en M3, ce qui menace de passer au-dessous, et en même temps de sortir, mais c'est hasardeux. C'est très hasardeux. Ok, bah il veut pas que j'y aille. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose ici, hein, donc on va tester. Protège. On menace de capturer. Donc il vient ici. On fait la taille. Capture. Et on vient là. Et il est mort. Là, il a pas beaucoup réfléchi pour le coup. Là, il est mort. Bon. Il a joué un peu trop vite. Mais on l'avait bien lu, heureusement, ça. Ça rassure, la lecture est pas complètement naze non plus, hein, pas après ça. Ici on a manqué clairement de vigilance, on aurait dû rajouter I5 on disait au début de partie. À la place de approcher en Q15. Mais là même s'il protège en R13, on va en S13. S'il protège en S13, on va en R13. C'est MIAI, MIAI, c'est équivalent. Si l'un joue l'un, l'autre joue l'autre. Bon, ça c'est gros par contre. Hein. Ça c'est très gros. Il faut imaginer ce territoire deux fois plus gros. Ici, là, à la place de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points, il y en a 24. Déjà, sur les pierres. Je profite de ce moment de calme pour vous dire si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à aimer. À vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et ça soutiendrait beaucoup. Merci. On sent que je suis à l'aise quand je dis ça. Ok, il abandonne cette zone. Il a beaucoup en haut. Hein. En soi, en haut, il a tout ça. Là, il a ça. Il a laissé la faiblesse d'ailleurs. Il a ça, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Blanc, il a quoi? Blanc, il a un peu ici. Il a un petit peu ici. Et il a ça. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des coupes par ici qui sont intéressantes. Et il y a ce point qui est intéressant également. Pour le moment, on va sûrement défendre ici, ce qui menace de jouer là. Il y a des choses, il y a des choses à faire encore. On n'a pas gagné forcément, hein. C'est compliqué. Déjà, on protège. C'est en troisième ligne, c'est le San-San, ça protège le coin. Il descend, ok. Je pense que j'aurais joué O2 à sa place. O2 qui menaçait de continuer en Q2. Alors que là, ce coup, si je descends, il y a toujours la menace de la coupe. Si je coupe, il va là. Je vais ici, donc il doit continuer. Je vais là, il doit continuer. Je vais là. Et ça commence à devenir embêtant pour lui, je trouve. Plus on peut sortir, peut-être.
Et en plus, ici, quand il prend l'IOC, Q1, qu'on protège, qui va là, il y a aussi la coupe. Très très dangereux. Après, je sais pas, est-ce que je devais aller en Q2 ou tout de suite en C15 Ah, il protège une de ses grosses faiblesses. Il protège une de ses grosses faiblesses. On va pousser ici. Il va en B15 et on a peut-être le coup en B17 tout simplement. B17, s'il protège ici, on peut aller en D18. S'il protège ici, on peut aller en B16. B16, je vais en D18. S'il protège ici, Atari, tac, puis on capture. S'il protège en C17, on continue, il fait Atari. Ok. Les petites faiblesses, hein, c'est vrai, mais... Oula, c'est dangereux ça, hein. Je pensais qu'il le sacrifierait pour avoir la coupe ici, le contre-Atari et prendre les pierres. Ouais, ça a l'air suffisant en fait. Parce que s'il capture, que je le recapture, il y a un œil ici, un œil là. Après, oui. Ouais, il est vivant. Ok, mais c'était une belle réduction. On va jouer ailleurs. On peut jouer par ici, non? Tac, s'il protège. Ouais, c'est assez gros. On menace de sauter en I18. C'est très très gros. Quand il protège, on peut aller en H19. Il protège. On va en G19, il protège et nous on risque rien sur ce truc. S'il va là, on va ici, il va là, on va là, tac, tac. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien ici non plus. Tac, tac. Si on va là, effectivement il peut pas protéger direct. Ah si, il peut protéger. Oui, donc il y a un œil ici. Et un œil là, c'est sûr. On a également R16 qui est gros. Ce coup là sera gros aussi. Il faut qu'il protège la coupe. Sinon c'est dangereux pour toutes ces pierres là. Et ensuite on va tout simplement en M16. S'il protège comme ça, tac tac. Il y a peut-être des petites faiblesses. En allant ici, tac. Capture la pierre, on fait contre-atari et capture. Mais imaginons qu'il y en ait une pierre là, là, on peut capturer les trois pierres. Donc c'est très dangereux. Donc ce coup-là a l'air intéressant, tac, tac. Il peut pas vraiment sauter comme ça, sinon on force et on a ces deux pierres justement. Ok, ici il protège déjà. Qu'est-ce que j'ai d'autre de gros? On a ça, hein. Est-ce que la coupe marche? O3, O2, tac, tac. On a que deux libertés, donc on continue. Continue, on va là. On continue ici, on descend. Il va là. On a que trois libertés et lui, 4. Donc la coupe directe n'a pas l'air de très très bien marcher forcément. Donc on va faire ça, c'est déjà gros en soi. On peut pas protéger naturellement, et sinon il y avait, on faisait le double atari. S'il allait en O1, je vous laisse vérifier sur le SGF si vous voulez. On pouvait aller en O2, il capture. On refait l'atari sur les deux pierres, en O3, qui est protégé, et on pouvait tout capturer en N1. C'est pour ça qu'il est obligé de reculer en O2. Là, il protège, il y a le double atari. Ok. On va venir là. C'est une partie intéressante, hein. Je pense pas la gagner. Ah, V2, là, il a plus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut pas jouer sur cette pierre pour jouer là? Capture direct, on sort.
On gagne pas grand chose parce qu'il protège ici et finalement on a juste deux pierres un peu perdues qui ne vont pas forcément créer beaucoup de territoire. Ok. Donc la séquence intéressante c'est vraiment par ici maintenant. Tac. Tac. Je vais direct là. Bon, déjà on va faire ça. Très important cette coupe, hein, parce que s'il protège pas la coupe qui joue par là, qui se dit j'ai le temps parce que je peux aller de ce côté peut-être, je vais pousser là d'abord. Ce qui menace de sortir Atari. Il va là, je vais là, il y a des Atari. Peut-être qu'il y a des petites menaces. Plus simple c'est de protéger, je pense, pour lui. Ok, il décide de ne pas le faire. C'est intéressant quand même. Parce que là je peux couper. Et s'il protège ce côté, je peux descendre et embêter quoi. La coupe. Imaginons je coupe. Il peut aller par là. Ah, il vise peut-être quelque chose avec ça aussi. Si je coupe, il vient là. Je recule, il vient là, je recule. Voilà, il me pousse tout ça. Il sacrifie le centre. Mais il se dit, j'ai peut-être une chose à faire ici. Noir, blanc, noir coupe. Mais blanc a double Atari. Donc non, en fait, il se passe rien. Donc je coupe. Je coupe, je coupe. Il n'y a rien de spécial. Je trouve ça assez risqué de sa part. Parce qu'ici, effectivement, il peut aller jusqu'à K9. Mais s'il va en K9, je pousse comme une brute, je pense. Tac, tac, Atari, il capture son truc et je sors en nobi. Et je menace de prendre tout le coin, tout le centre, pardon. Ce qui est très conséquent. Donc déjà, pour le moment, j'ai l'impression qu'il menace N15. Je recule et il fait le guetta. Donc on va protéger en jouant. Si je joue ici, est-ce que c'est intéressant ? Il va ici, je vais là. Il n'y a plus le guetta, hein, mais est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Je pense que le plus intéressant, c'est de protéger très solidement. Et du coup, ici, il se passe quoi? Comment est-ce qu'il compte faire? S'il pousse, je vais là. Il a aucune séquence par ici, hein, avec le H8, parce que dès que je capture, il peut plus bouger, comme on disait. Là, on a été content d'être solide, hein, parce qu'on n'a pas à surveiller ça non plus. Donc, on n'a pas besoin de surveiller nos arrières. C'est vraiment juste comment est-ce qu'il compte connecter. Il pousse, je vais là. S'il va ici, peut-être qu'on va prendre que ces trois pierres. Après, c'est déjà un bon gain. Il va ici, je vais là. Si je vais en K10, il peut aller en J10. Je protège. Si je peux, je peux aller en K10, non? K10, il va en J10, je vais en I9, et lui, il vise sûrement... Ah non, Atari, quand je protège. On peut plus bouger tous les deux, ok. Il y aura une sorte de petit séquis ici. Si je vais là, K10, il va en J10, je protège. S'il fait Atari en I10, je vais là. Je pourrais pas faire Atari, mais lui non plus. Et mes pierres ici, tac tac, du coup. Il y aurait juste ma pierre à K10 à surveiller. Mais lui, il y a un Atari ici, donc attention. Ça a l'air de bien se passer. Lui, ce qu'il vise peut-être aussi, c'est K10, moi. Je perds une période, tant pis. K10, il va en J10. Tac, et il visait peut-être le H8. Mais ça marche pas, parce que je capture en J8, et après il vise l'Atari où je protège. Et du coup, il me capture tout, sauf que non, je capture ça. Et c'est liberté commune à ce groupe ici et celui-ci. J'ai l'impression que j'ai droit. J'ai l'impression que j'ai droit. N'hésitez pas à me dire si le rythme est un peu trop lent ou pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien quand je prends plus mon temps. Donc n'hésitez pas à vous manifester
Vous voulez que je coupe un peu les séquences où il y a des silences, ou au contraire, c'est bien que d'entendre réfléchir, tout ça, tout ça. Je peux descendre, non? Tac. S'il va là, je peux pousser ici. S'il va là, on va ici. Ensuite, il a aucune bonne forme. S'il fait cet atari et que je vais là, s'il va ici, on peut faire atari, tac, et sortir. Très compliqué, je trouve, pour lui. S'il bloque ici, on fait d'abord l'atari. Cet atari, je pense qu'il est important. Tac. En tout cas, si on gagne juste ça, c'est déjà bien. Parce qu'à la base, c'est lui qui était fort sur le centre. S'il connecte en dur, ça passe pas. Après, j'hésite également avec cet Atari. Qui menace cette sortie. Tac. Une autre fois. Tac. On aurait trois libertés. Et lui, il en a que trois ici. Hein. Donc, est-ce que c'est pas intéressant de faire ça? Ça a l'air intéressant. Et on fait cette attaque. Voir celui-ci. Non. Celui-là. Peut pas protéger. S'il protège, on capture tout. Tac. Il vient ici, je capture. Il va là. Après, en soi, maintenant, on s'en fiche de ces deux pierres. Il suffit de pousser. Parce que maintenant, c'est comme je disais, s'il fait cet atari comme ça, puis ça, on capture. S'il fait ça, tac, c'est un séki ici. Et là, oui, on s'en fiche de ces deux pierres en fait, il suffit de pousser ici. Il va là, on pousse là. Il est encore en atari. Il s'en va. On a trois libertés, on capture ça. Par le même fait, ça rajoutera des libertés à ces pierres. On a tout ça en banque. Et lui, il prend ça. L'échange est plutôt intéressant pour blanc. Hop. Hop. Je pense pas me tromper ici. Il a trop joué avec le feu ici, il y avait trop de faiblesse dans ses formes. Et ça a l'air de suffire. Et là, d'un seul coup, blanc, il se retrouve avec une zone plutôt très confortable. Hein. Tac. Plus là, tout ça. Noir, il a tout ça. Il a ça. Finalement, on se retrouve un peu avec deux bords chacun. Mais bon. C'est quand même intéressant pour blanc, je pense. Parce que en plus, si on regarde bien, les zones de noir sont très libres de pierre. En fait, c'est ces espaces vides. Alors que les espaces blancs, en fait, c'est des pierres capturées. Donc ça, c'est deux fois plus gros qu'on croit. Ça aussi. Ici, on disait quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. 54 points sur l'emplacement des pierres noires capturées. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Hop. Là, blanc a gagné. Là, il avait pas vu ça, c'est pour ça que là, il met du temps à jouer. Et il essaie de trouver une solution miracle. En plus, il serait goté parce que je peux encore faire des petits coups comme ça. Enfin, cela dit, mon J11. Mon J11, qu'est-ce que ça donne déjà? Ça marche pas très bien, je crois, parce que J11, il peut aller là, je capture, il va ici, je connecte, il fait Atari. Je vais là, si ça marche bien en fait. Ok, il va juste me forcer à prendre les pierres. D'accord. Pas de soucis. Ok, et il prend ça. Et je peux toujours prendre ces deux pierres si je le veux. Parce que si je vais en I10, il ne peut pas protéger en I11. Sinon, on capture le tout en J12. Intéressant. Qu'est-ce qu'il reste de gros? Il reste B2. Je vérifie quand même ici. Hein. S'il va ici, je vais là. S'il va ici, je vais là. Et qui met Atari?
je capture ici. Non, j'ai pas de problème. Ici, j'ai deux libertés. Lui, il en a une. On préfère vérifier, hein, parce que ça serait dommage quand même de perdre sur ça. On peut aller ici. C'est très gros. Est-ce que ça menace de venir jusque-là? Non. Ça menace de... Est-ce que ça menace vraiment tuer? B13. S'il protège pas et que je vais en A15, il peut aller là. Je vais ici. 9, 8, 7, s'il capture... Ouais, 6, si. Ça menace de tuer 5, tout le coin. 4, 3, donc on va aller là. Ça fait des points. Si lui-même y allait, bah lui, ça lui faisait quelques points, c'était intéressant. C'est ça a l'air sainté. Après, le coup suivant pour blanc, ça serait... Ouh. Y a pas quelque chose ici? J'ai pas réfléchi. Oh. Oh là là, quel abruti. Je vais trop vite. Okay. Non, oui, ça marche pas. Oh là 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 là. Oh, quel idiot. Non, ça marche ton coup. Tu vas là. Je vais là. Non, ça marche pas. Oh, j'ai de la chance. Mais rien que pour ça, je mérite peut-être de perdre. on protège. Mais c'est... Ouais. Attention, attention, quoi. C'est vraiment dangereux ce que je fais. C'est vraiment... J'ai été beaucoup trop vite sur le A15. C'est pas une blitz. J'ai 60 secondes. Il faut que je fasse attention. Ça va, normalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront arrivées jusque-là dans la partie, donc... À dire que vous aurez pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Bah du coup, oui, il s'attend que je t'énoquille encore parce que bah, je suis capable de le faire, après oui. S'il va en O15, effectivement je peux pas protéger les deux côtés, donc oui, oui, je vais protéger. Ça a l'air intéressant de protéger ici. Il va avoir peur de tous les coups. Ah, est-ce qu'il viserait pas également la montée ici, tac tac. Raison de plus pour jouer ça. Menacer tous les coupes qu'il y a là. Mais oui, il veut menacer la sortie ici. Ah, ça a l'air compliqué par contre. Il faudra... Il n'aura pas ses libertés. Noir, blanc, noir. Oui. Je comprends. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose maintenant ici? Si je coupe ici, il fera pas cet Atari, hein, sinon Atari, tac, et on capture. Et tous ses plans tombent à l'eau. Mais, si on coupe là qui va là, la coupe ici, est-ce qu'elle fait quelque chose? Il revient là, même si on peut faire Atari, tac, on revient là, il capture. Atari ici, non, il a trop de liberté, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout ce que j'envisage. Ok. Donc il faut faire attention à la course aux libertés entre ça et ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va faire ça. Tout de même. Pourquoi? Parce que quand il fait l'Atari, on peut faire l'Atari. Et en fait, on a presque un œil ici. Est-ce qu'on peut descendre? Tac. Il descend. Est-ce que c'est plus intéressant de descendre? Tac. Il va là. Je vais ici. Il capture. On va descendre. On vient ici. Il peut pas protéger ici. On peut aller par ici. R18. Il peut pas aller là. Donc... Et s'il répond ici... Tac. Ah non, il est obligé de répondre là. Pour le moment, c'est pas intéressant. Ok. Si on va ici, on a un œil. Donc
Donc on va essayer de se créer une possibilité de deuxième œil par ici. Tac, tac, tac. Ou alors, tout simplement, après ce coup-là, heureusement, il peut pas faire cet atari, c'est pas gênant. Il fuit comme ça, et nous, on revient là. On va aller capturer directement ce groupe. Hein. On a tout ça, on va pas jouer avec le feu. On va venir réduire les libertés. On va d'abord jouer ici. On se fait un œil. Comme ça, ça fait au moins un œil contre un œil. Ce qui amène souvent à des séquis. Sauf que là, on a tellement de liberté sur l'extérieur. Je ne vois pas un monde où ils nous capturent ici. Ok. Ok, ok. Atari, il va là. Atari, il va là. Atari, il va là. Atari. Je vois pas en quoi ça marche cette coupe. Tac, 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 tac. Si on pousse, il va là, on capture. À quoi sert cette coupe? Je ne vois pas trop là. Je ne vois pas trop. Bon, alors j'ai dû louper quelque chose. C'est sûrement si je pousse, qu'il va, je pousse, il va, je pousse, il va ici. Dans ce cas, je pousse vers là, et voilà, on capture tout. J'arrive pas à voir. Il y a sûrement quelque chose, hein. Il fait sûrement pas ça pour rien, mais j'arrive vraiment pas à voir ce qu'il veut faire. Faut que je fasse attention, j'ai plus que deux périodes. Hein. Si je pousse. Il va, je pousse, il va. On pousse encore, et au lieu d'aller là, il va ici. Mais on pousse. Ah, y'a rien, y'a rien du tout aussi. Je dois arriver, je sais pas. Tac, voilà. Je vais là. Voilà. Je vais là, il va là, je capture. Tac, s'il va là, on fait attaque ici. Il va là, je capture. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, là, il a... Je sais pas. Je comprends pas trop. Bon, c'est une grosse erreur de sa part, hein, mais du coup, ça fait douter. Ça fait vraiment douter quand on doit jouer la séquence. Et que ça a tellement d'enjeux dans la partie. Ok. Et il abandonne. Ok. Bon, bah, la partie est finie sur ça, c'est un peu... Ouais. Après, voilà, la partie était éreintante. Pour les deux côtés. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je trouve que c'est une partie super agréable. Il y a eu des rebondissements. C'est beaucoup de rebondissements. Beaucoup de combats. C'est assez chouette. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous le souhaitez. À vous abonner, tout ça, blabla. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et bon courage pour la semaine à venir. Salut !